Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour les projets 2016. D'abord, j'aimerais m'excuser de ne pas avoir posté vendredi dernier, tout simplement parce que j'avais quelques problèmes de santé, donc je ne pouvais pas poster, tout simplement. Voilà, c'est tout simple. Donc, on va tout de suite commencer la vidéo. Donc, il y aura des projets pour Happy, pour Gypsy et pour moi, quelques petits projets. Mais voilà, donc on va tout de suite commencer la vidéo, ce serait peut-être préférable. Pour les projets d'Happy, alors déjà j'aimerais commencer le dog dancing avec lui. Il connaît déjà quelques tours, il en connaît à peu près une quinzaine. Donc ça va bientôt faire 1 an que je l'ai. Donc voilà, j'aimerais bien commencer le dog dancing avec lui car je pense qu'il serait peut-être prêt. Mais bien sûr, je pense qu'il commencera plus au milieu d'année, donc plus vers le mois de juin, juillet. Et commencer le canny roller. Donc j'ai déjà tout ce qu'il faut. J'ai le harnais, j'ai les rollers, voilà, j'ai tout. Mais bah pour l'instant, et bah voilà, en fait, pour l'instant, il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Sauf peut-être le mauvais temps. Donc je commencerai peut-être plus vers le mois de mars, avril. Je pourrais commencer le canny roller avec lui. Sachant que là, je n'ai pas le roller avec moi. Ils sont chez mon père. Et je vais chez mon père dans 1 semaine exactement. Pour les projets pour Gypsy, alors lui apprendre à ne pas tirer. Donc cette chienne en fait c'est un cocker anglais et elle tire énormément, elle a pas eu de rappel tout ça. Et quand on la promène, bah c'est un vrai calvaire, elle tire, elle tire, elle tire. Et puisque je la vois que 4 fois par an, donc ça va être un peu compliqué, mais voilà, je vais faire de mon mieux pour que je lui apprenne à ne pas tirer. Parce que ça va bientôt faire au mois d'octobre, ça va faire 2 ans qu'on l'a déjà. Donc voilà. Sinon, lui apprendre le rappel. Donc, comme j'ai dit, elle ne connaît pas le rappel et elle ne sait pas non plus. Enfin, c'est la même chose, mais voilà. Donc, si j'aimerais aussi lui apprendre, mais je pense que ça prendra plutôt beaucoup de temps puisque je la vois que 4 fois par an. Les projets pour moi, adopter un chien de la SPA. Donc, tout d'abord, en fait, on avait adopté Delves, mais elle n'était pas de la SPA, mais elle était chez un. Comment on appelle ça? Je sais plus comment on l'appelle, mais voilà, c'est pas grave. Elle va adopter chez un homme. Les chiens n'étaient pas pucés, ni tatoués, ni rien, ni vaccinés. C'était horrible, c'était l'horreur. Et un jour, elle s'est sauvée, puis on l'a retrouvée écrasée, malheureusement. Et donc, Fred, ça devrait être notre deuxième chien chez ma mère, mais voilà. Donc, on aimerait adopter un chien de la SPA. Après, on pense plus vers un chien, n'importe quel, mais plus pour un braque ou des bergers australiens, enfin bref, des bergers, tout ça. Parce qu'on a toute la place, on a tout ce qu'il faut. Donc voilà, ce serait déjà pour adopter un chien de la SPA, n'importe l'âge. Voilà. Et faire des dons en même temps. Donc faire des dons, par exemple, à 30 millions d'amis, des dons aux SPA, aux alentours, ou même très loin, ça me ferait très plaisir. Enfin, ouais, voilà, en fait, ça c'est mes projets pour moi. Donc, j'ai pas énormément de choses, mais ça prend plus de temps, ça prend énormément de temps. C'est pour ça que je n'ai pas énormément de projets pour Happy, Gypsy et moi. La vidéo est déjà terminée. Bon, elle est assez courte, mais bon, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Puis voilà, en fait, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc, bye bye!